Une solution simple et efficace pour ballaster vos réseaux avec des produits de chez Nord. Bonjour et bienvenue dans RF.Délisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Oui, il existe plusieurs façons de faire le ballast pour vos voix différentes à toute échelle, bien entendu, mais il en est une qui existe et qui est assez relativement simple et efficace en même temps. C'est la voix déjà ballastée en mousse de la marque de chez Nord. Alors oui, certains préféreront faire et passer des heures et diront que oui, c'est super agréable de faire son ballast, mais il en va également des personnes qui sont novices, qui savent pas faire, qui n'ont pas la pratique, et puis ça peut s'avérer une catastrophe si on ne maîtrise pas bien le sujet tout simplement. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter un produit de la marque de chez Nord. Ce sont des semelles mousse qui sont ballastées avec du petit sable et tout, etc. C'est vraiment sympathique, ce sont des bandes de 5 mètres. Il en existe en deux couleurs, ça c'est du HO. Il doit en exister sûrement à des échelles inférieures, peut-être à l'échelle N en tout cas. Il existe bien entendu sur le marché des rails déjà avec un lit de ballast. Je parle de ça chez Pico par exemple, qui propose ce genre de produit là. La gamme Trix, la gamme Marklin Voix, c'est également. Il y a eu aussi Fleischmann avec les profits. Voilà, il existe des marques qui ont proposé déjà des solutions avec des rails déjà avec le ballast intégré qui rendent plus ou moins bien sur vos réseaux. Là, aujourd'hui, je proposais un simple déballage rapidement et la pose tout simplement d'un coupon de voix droit et un en courbe pour vous montrer que c'est vraiment très très simple de pouvoir installer ça sur n'importe quel type de réseau. Allez, on passe juste au déballage rapidement de ce produit et puis après on met en place sur deux coupons de voix pour vous montrer que ça s'épouse vraiment vraiment bien. Allez, c'est parti. Bien mes amis, voici donc la boîte donc proposée de chez Nord. Tout simplement, comme je vous disais, il y a des couleurs différentes. Voilà, un petit peu couleur terre, couleur un petit peu plus grisâtre. Ça porte la référence 99-160, c'est du HO. Voilà, ils appellent ça Roadbed Grey Ballast. Voilà, il y a 5 mètres dedans et c'est plutôt bien, 5 mètres, on fait déjà pas mal. Ça coûte à peu près une trentaine d'euros selon revendeurs et fournisseurs. Et on peut économiser un temps impressionnant sur le ballast. Allez, on voit comment ce que c'est fait. On ouvre notre boîte. Hop, il y a toujours le petit scotch qui va bien, que l'on va découper soigneusement. Voilà, laissez-moi le temps de juste arriver avec ma petite lame de cutter. Hop. Comme je vous disais en préambule, oui, c'est vrai, quand on n'a pas la praticité, ça peut se révéler quand même assez fastidieux, compliqué de faire soi-même. Vous voyez, il y a quand même, on voit du petit sable et tout, on voit que c'est quand même sympa. Donc, c'est vrai que quand on n'a pas l'expérience, bon, ben voilà, hein, ça peut être une bonne technicité. Alors, on va essayer de ne pas en mettre de partout. Alors, c'est très agréable au toucher, honnêtement. Voilà, le rouleau. Voici. Alors, on voit les logements où l'on va poser notre coupon. Alors, on va essayer de ne pas perdre tout le ballast qui est dessus. On va sortir juste un petit peu. Voilà. C'est juste histoire de montrer. Alors. Allez. Donc, comment ça va se présenter? Alors, pour ceux qui veulent savoir un petit peu plus, on va même prendre un petit peu les mesures de notre voix qui est déjà dite ballastée. Alors nous avons ici, allez, à peine 4,8 cm. Voilà. Et donc vous prenez votre coupon de voix et vous allez venir tout simplement dans les interstices. Voilà, loger. Et voilà, c'est fait. Vous n'avez plus qu'à, si vous avez votre contreplaqué dessous, à visser tout simplement, ça va passer très très bien la mousse. Et regardez moi ça, c'est plutôt bien réalisé. Voilà un ballast réalisé tout simplement en 5 secondes. Alors maintenant, oui, est-ce que ça épouse les courbes? Eh bien écoutez, on va faire le test ensemble, mais ça nous devrait poser en pause dans le logement. On suit les logements. Voilà.
et voici donc notre courbe. Donc oui, ça s'épouse parfaitement. Et là, on est sur une bande, on est sur un R2 à peu près. Donc imaginez sur du R3 et du R4, on y voit quasiment nullement la différence. En tout cas, regardez comme c'est plutôt bien bien sympathique. Donc oui, je recommande ce genre de produit. Vous peut-être qui commencez votre réseau et qui n'avez pas envie de vous prendre la tête avec le ballast et des heures de difficultés, on va dire, parce que c'est pas évident, hein. Eh ben, je pense que cette alternative des produits de chez Nord reste quand même quelque chose de très 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 bien. Voilà, c'était donc un rapide bref déballage de ce produit. On en fait une conclusion ensemble. Allez, c'est parti. Bien mes amis, pour en faire une conclusion, comme je vous ai indiqué ça tout à l'heure, voilà, il existe d'autres marques bien entendu qui équipent eux-mêmes leur ballast intégré. La voix Pico A est l'une des dernières nées ou est-ce que qui a fait ses preuves et qui est vraiment bien aimée par le grand public. Donc elle est modéliste, plutôt sympathique, plutôt voilà, c'était par exemple chez Trix et chez Martin, c'était une voix jusqu'à présent un petit peu décriée pour son côté un petit peu non réel, on va dire, mais bon, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à faire des belles patines dessus ou les agrémenter pour que ça fasse totalement quelque chose de très joli. Cette alternative, justement, avec ce lit de ballast, c'est un petit peu en mousse, vous avez vu qui est assez joli finalement, qui représente bien un beau ballast bien réalisé finalement, avec vos coupons de voix, et puis vous pouvez les agrémenter facilement sur vos courbes. Et vous allez voir que pour une trentaine d'euros à peu près pour 5 mètres, je pense que ça vaut peut-être le coup de pas trop se prendre la tête si en fait on ne sait pas faire. Maintenant, si vous êtes dans votre optique, vous voulez faire vous-même votre ballast, il y a énormément de tutos que vous trouverez sur les toiles et les réseaux sociaux pour effectuer vos ballasts. Il y a mille et une façons pour faire votre ballast. Quelle est la meilleure solution? Je n'en sais rien. Comme je le dis assez souvent, je suis un éternel débutant et je vous propose aujourd'hui tout simplement une alternative à vous peut-être qui ne savez pas faire et qui avait envie tout simplement d'un résultat joli et immédiat. Alors à ce moment-là, vous pouvez foncer vers ce genre de matériel-là. Je vous le recommande vraiment à 100%. De plus, les jonctions, une fois que vous avez envie de faire entre modules, par exemple, est très facile. Vous arrivez, vous coupez au cutter soigneusement votre lit de ballast qui est en mousse. Et pas de problème, donc du coup un gain de temps assuré en tout cas pour vous modélistes pour pouvoir faire et prendre soin de faire autre chose. Voilà, c'était donc le déballage rapide de ce genre de matériel qui à coup sûr vous fera gagner du temps et puis en plus ça c'est pas laid, c'est plutôt bien joli, c'est plutôt bien réalisé. Merci, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à dire quelle est votre méthode à vous pour ballaster vos voix, si vous préférez faire la méthode classique traditionnelle. Que la bois, le mélange, vous envoyez le pinceau, etc. Si vous avez d'autres techniques, pourquoi pas les partager en commentaire entre vous en argumentant. Et puis, si vous utilisez déjà ce genre de matériel-là, si vous avez déjà terminé votre réseau, n'hésitez pas à partager également votre ressenti sur ce genre de matériel. Voilà, en tout cas, moi je valide complètement ce genre de matériel. Il existe deux coloris pour ce genre de package dans ces coffrets de chez Nord. C'était le déballage des ballasts déjà fait, plutôt sympa. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres matériels. Prenez soin de vous, ciao ciao.